Deux amoureux du territoire viennent de passer le col du Petit Saint-Bernard. Ils sont partis pour un périple à moto dans la vallée. Le pilote, Thomas Malvet, propose des circuits sur les plus belles routes de France. C'est une route qui est mythique, qui est très empruntée par les motards. Elle est très dégagée sur sa partie haute. Qui nous permet vraiment d'avoir un panorama assez unique. À tous les points de vue, c'est absolument fantastique. Aujourd'hui, Thomas est accompagné de David Dereani, un spécialiste de l'histoire de la vallée. Ensemble, ils élaborent un itinéraire à la découverte du patrimoine de la Savoie au fil de la rivière. On est ici à 2188 mètres d'altitude. Et là, on est en pleine descente en direction du bassin de Bourg-Saint-Maurice. L'Italie nous tourne le dos. Ces lacets impressionnants datent du 19e siècle. Cette voie a été ouverte pour défendre la frontière lors des conflits avec l'Italie. Physionomie et le tracé de la route, ça c'est un héritage des soldats et du génie militaire. Ils construisent une route avec des lacets, mais avec un pourcentage de pente qui est très régulier pour permettre le transport et le déplacement de tout le matériel militaire, les canons, et accéder au col qui va être fortifié.